Chers téléspectateurs, bonjour, c'est Fleur d'Élis, Fleur des Suisses. Nous sommes ici à Lausanne, nous sommes sur Théâtre 2.21. On est venu parler de la culture. Parlons de la culture, il y a un confrère, un compatriote congolais au nom de Germain Dimbendi Bayedi. C'est un auteur d'un livre intitulé « Procès Mobutu ». Il a voulu présenter ses œuvres qui est déjà sortie en 2010, je pense. Il parle du « Procès Mobutu ». Il a fait appel à nous, à Fleur d'Élis, Fleur de Suisse, pour venir parler de son livre. On est là, on est venu écouter pourquoi il a voulu parler des procès Mobutu. Est-ce qu'il s'est mis à la place de Mobutu? Quelle serait sa réaction? C'est vraiment un livre intéressant dont je vous recommande et à consommer sans modération, hein, sans plus tarder. Nous allons partir dedans pour y suivre qu'est-ce qui est dedans, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là. Et j'espère qu'on aura à passer une interview avec lui, de savoir d'où est venue cette motivation de créer ce livre « Procès Mobutu ». Il n'a pas eu fraude, il n'a pas eu peur, pour dire, pour écrire ce livre. Ben, nous allons aller dedans et visiter, savoir un peu plus de lui. Merci, suivez-moi. Allez, action. Bonjour, monsieur Germain Kimbendi. Oui, bonjour, c'est Germain Dimbendi. Brèvement, est-ce que vous pouvez vous présenter? Qui est Germain Dimbendi? Alors, Germain Dimbendi, c'est un Congolais. Je suis écrivain et journaliste. Je suis né au Congo. J'ai fait toutes mes études là-bas. Et puis, je vis en Suisse depuis assez longtemps. Et puis là, j'ai aussi une autre formation ici, donc je suis étudiant en master en journalisme et art de la scène. Là, je suis au Conservatoire des sciences, des arts et des lettres de Genève. Et puis, je suis auteur du livre « Procès Mobutu » qui sera adapté au théâtre, raison pour laquelle on se retrouve ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Et d'où vous est venue cette idée-là de créer ce livre « Procès Mobutu » ? Justement, je pense que je n'ai fait que exprimer la volonté populaire, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien voir nos dictateurs africains ou nos dirigeants, pour ne pas dire dictateurs tout le temps, mais nos dirigeants africains jugés ou répondre de leurs actes, parce qu'ils règnent, c'est vrai, mais après il faut rendre des comptes. Et souvent, qu'est-ce qu'on constate? On constate souvent, c'est des gens qui soit ils meurent comme ça, malgré tout ce qu'ils ont fait, ils n'ont jamais été jugés. Donc je crois que je n'ai fait qu'exprimer d'une certaine façon la volonté populaire. Voilà. Si vous étiez Mobutu, oui, où aimeriez-vous être jugé? À la Cour pénale internationale ou à Kawele, pour ne pas dire Kinshasa? Moi, je pense que ça serait un choix assez difficile, oui, mais je pense qu'au pays, il serait mieux. Au pays, il serait mieux, ouais. Pensez-vous? Je crois, oui. Monsieur Dimbendi, oui, est-ce que ce livre a été bien accueilli au pays, la RDC? Au pays, je ne sais pas, j'ai eu quand même des échos. Il y avait quand même des gens qui m'ont écrit du pays, qu'ils ont lu le livre, qu'ils étaient contents. J'ai eu de félicitations. Mais il n'a pas été commercialisé, en fait, ou distribué au pays. Le livre n'a pas été de bienvenu. Je ne sais pas s'il faut dire qu'il a été le bienvenu ou pas, mais moi je sais qu'il n'a pas été distribué au pays. Mais néanmoins, par les réseaux sociaux, j'ai eu quand même des échos de la part de compatriotes congolais qui ont vu le livre, qui l'ont lu, qui l'ont acheté par internet, je suis sûr, et puis qui m'ont félicité. D'accord. Où est-ce qu'on peut trouver ces livres? Les livres, il est disponible chez Payot ici en Suisse. Il a été distribué par Payot à la FNAC, où vous pouvez aller sur le site de l'éditeur www.prc.fr. Parlez-nous un peu les contacts entre les compatriotes congolais qui sont au pays, disons qui sont ici en Suisse. Est-ce que vous parlez de ça entre les Congolais?
Justement, il y a, tu sais, le Congo, c'était comme dit, le Congo c'est un pays très riche. Oui. Les Congolais aussi sont riches culturellement. Il y a beaucoup de nos compatriotes qui s'intéressent beaucoup à la culture, à la littérature. Non, non, ça va, ça se passe bien. Pourquoi avez-vous dédié ce livre à votre famille ? À ma famille, parce que vous savez, la famille, c'est très important pour moi. Avez-vous eu peur d'être égorgé ? Non. Par les mots boutistes ? C'est une marque de gratitude. D'accord. Envers ma famille, surtout mes parents qui sont décédés. Mm-hmm. Bon, je voulais les rendre hommage. Vous seriez fier de vous ? Ah oui, bien sûr, bien sûr. D'accord. Un petit mot aux Congolais qui nous suit à ce moment. Je dirais à tous les Congolais d'aimer le Congo. D'accord. De ne jamais trahir le Congo. D'accord. C'est quand l'illustration du théâtre, en fait ? Alors, on a déjà 6 dates. Oui. 17 au 12 janvier 2016. Ici, sur place, au théâtre 221 de Lausanne, oui. Il y a 6 représentations. Oui. Qui seront données. Et puis après, on verra, il y aura peut-être... On a déjà une invitation à Paris, mais ce n'est pas encore finalisé. Mais je suis sûr qu'il y aura d'autres... Étant que Congolais de la RDC, on aimerait bien quand même savoir s'il y aura une adaptation en Lingala. Ah oui, ça serait la bienvenue, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Si vraiment il y a des soutiens, des producteurs, toutes les conditions sont réunies, on peut l'adapter en Lingala, il n'y a pas de problème. Et même, on peut jouer au pays, pourquoi pas. Mm-hmm. Si on met les moyens, les conditions sont réunies, ça peut se faire, il n'y a pas de souci. Uh-huh. Ouais. Alors, on vous dit merci. Et avant de finir, on aimerait savoir qui va jouer le rôle de Mobutu. Alors, il y a quand même déjà des prétendants. On a déjà 2 prétendants qui aimeraient bien incarner Mobutu. Seront bien là. Non, mais il y a quand même d'autres. Ça reste une surprise. Ça sera une surprise. Il faut venir au mois de janvier. Il y aura des surprises. Et je vous dis que c'est des comédiens très, très talentueux. Les Mobutu. Ouais, ils sont très, très talentueux. Uh-huh. Et puis, qui sont chapeautés par une metteur en scène confirmée dans la profession, oui. Marielle Pinsard. Uh-huh. C'est une metteur en scène très connue qui est reconnue dans la profession. Ben, un petit mot à Lingala, tant que Congolais. Oui, bon, na sepeli mingi, bandeko nangai, tout ça la rapon mboka. Donc, mbo théâtre, boya, bo soutenir biso. Et puis, voilà, Congo qui est liboso, culture à Congo qui est liboso. Voilà quoi. Où est-ce qu'on peut vous contacter? Pour me contacter, mon numéro c'est le 077 509 78 65. Par les réseaux sociaux, je suis sur Facebook, sur Twitter, voilà quoi. Sur quel nom? Germain Dimbenzi Tuko. Merci beaucoup Germain. De rien, merci, c'est moi qui vous remercie. Merci, au revoir. Alors, Procès Mobutu, c'est un livre de fiction politico-judiciaire, pour faire plus simple. Pour faire plus simple, c'est juste, j'ai imaginé un scénario où un dictateur africain est arrêté, jugé, puis condamné pour des crimes commis au cours de son long règne. Alors, je suis congolais. Il m'a été plus facile de prendre Mobutu. C'est pour plusieurs raisons. Pour prendre Mobutu comme figure, en fait. Donc, parce que non seulement parce que j'ai vécu quand même sous son ère, sous son règne, mais aussi parce que, avouons-le, c'était, il incarnait quand même les systèmes sociopolitiques africains. Donc, c'est pour ces raisons que j'ai pris sa figure. Mais ceux qui ont eu la chance de lire les livres, et ceux qui auront la chance de voir les comédiens sur scène interpréter les livres, ils se rendent vite compte que finalement, c'est tout l'environnement sociopolitique africain qui se retrouve sur les bancs des accusés. Comment est-ce que vous pourriez expliquer au public ce personnage qui était très particulier et qui avait en fait l'art d'accumuler en fait des noms particuliers comme l'aigle de Kawele, le roi Léopard, et comment s'est construit ce mythe autour de Mobutu? Ça, c'est particulier. Après avoir lu une analyse sur le sujet, en tant qu'occidental, avec une petite connaissance de l'Afrique, je reste marquée par ce texte écrit justement par un auteur africain.
Alors, vous l'avez si bien dit que c'était vraiment un personnage assez complexe et très extravagant. Et que s'il faut considérer Mobutu dans toute sa splendeur, vous verrez que c'était quelqu'un qui avait le goût du spectacle, le goût du folklore. C'est quelqu'un qui était narcissique. Alors si on voit bien, si on dresse le profil de narcissique, c'est quelqu'un qui ne voit que lui, qui veut toujours se mettre au-dessus de tout le monde. D'ailleurs, il le disait lui-même qu'il était au-dessus de la mêlée. Mais ce qui est important à souligner ici, c'est le fait que il est parti, lui, il n'est plus vivant, mais il est là. Tout à fait. Il est là parce que, apparemment, je vais juste paraphraser un confrère journaliste de l'Africa numéro 1 qui disait que Mobutu, il est parti, mais il a laissé derrière soi des clowns politiques. Donc maintenant, c'est tout. Quand vous voyez bien, la plupart des dirigeants africains, ils reproduisent les mêmes comportements que Mobutu, en fait. Vous allez en Angola, vous allez au Cameroun, s'il y a des amis camerounais ici, ils ne me contrediront pas. je suis sûr, hein, ils ne me contrediront pas, mais pas seulement au Cameroun, ailleurs aussi. Tous ces dirigeants se comportent comme lui, pour dire que c'était un modèle. Et ce n'est pas pour rien que j'ai intitulé mon livre « Procès Mobutu ». Mais comme je l'ai dit, c'est tout un système qui est interrogé. Tout un système continental qu'on connaît bien, la dictature et consorts, le système totalitaire qui est questionné. Mais voilà. Comment est-ce que vous pourriez expliquer que les jeunes, j'insiste beaucoup sur ces jeunes qui grandissent en Suisse, qui ont cette double identité, comment se fait-il que Mobutu continue d'hanter en fait l'inconscient collectif? Il a marqué son temps, il a marqué de ses empreintes son passage sur cette terre en fait. Mais ce passage, en fait, c'était lié aux relations nord-sud. Justement. Et je pense qu'il faut lire le livre pour comprendre tous ces enjeux. Voilà. Dans quelle mesure est-ce que vous pensez que les Congolais auraient souhaité que le maréchal Mobutu soit jugé? Ce qui est déplorable, en fait, c'est que nous, en Afrique, on a connu beaucoup de dictateurs, quand même, qui sont décédés. Mais il n'y a jamais eu de procès, en fait. Il n'y a jamais eu de procès. Et je me souviens, quand Kadhafi a été assassiné, sauvagement assassiné, il y avait un confrère belge, c'est un ami, qui m'avait téléphoné pour me dire, c'est un occidental, c'est un belge. Il m'avait dit, mais c'est pas possible, pourquoi est-ce qu'on les tue tous? Mais on devait les garder, organiser un procès, parce que c'est des gens qui détiennent beaucoup de secrets. Il faut quand même qu'on sache comment ils font pour dominer des millions de gens. Comment ils font pour régner si longtemps, tu vois? Donc moi je pense que beaucoup voudraient bien voir une fois au moins ces dictateurs sur les bancs des accusés. Sur les bancs des accusés. Et quels sont les principaux chefs d'accusation qui font la trame de votre livre et de l'adaptation théâtrale de cette fiction politique? C'est vrai que si on commence à étaler les griefs, on ne finira pas, il y en a voilà, justement. Mais je vais dire, ce qui est plus flagrant, par exemple, la prise de pouvoir par un coup d'État, l'assassinat des opposants, les massacres des populations, corruption, détournement des fonds publics et consorts, voilà.